raisonnement est si profondément ancré dans le tissu social qu'il semble difficile d'imaginer une société sans normes qui délimitent les frontières de ce qui est attendu ou correct de ses membres. Ce sera aujourd'hui, pour nous, notre définition fonctionnelle de la morale. Aucun intérêt pour moi d'aller chercher des définitions philosophiques, ça ne sert pas à grand-chose. Des définitions fonctionnelles, c'est beaucoup plus intéressant. C'est des définitions sur lesquelles la plupart des spécialistes qui étudient la morale, qui sont en gros des psychologues, des biologistes ou des économistes, s'accordent pour dire ce que c'est. Aujourd'hui, je vais vous développer dans les 40 minutes qui me suivent l'idée que la morale est une adaptation biologique nécessaire à la vie en groupe et je vais vous montrer qu'elle émerge rapidement au cours du développement de l'enfant. Alors, une des questions qu'on a tous est celle-ci. Naît-on moral ou le devient-on grâce à notre éducation ? Alors, chacun a sa petite idée sur le sujet. Pendant des siècles, comme vous le savez, la pensée dominante a été que l'enfant était un petit sauvage qu'il fallait éduquer. Freud lui-même voyait les petits enfants comme fondamentalement égoïstes, inconscients des autres et de leurs besoins. Pendant très longtemps, la morale a été le domaine des réflexions philosophiques comme celle de Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau ou David Hume. Pour le premier, les êtres humains sont par nature égoïstes et belliqueux. Vous vous rappelez de son livre majeur, Le Léviathan, qui est un ouvrage très important puisqu'on continue à le faire lire à tous nos aux États-Unis. Si vous faites des études en sciences politiques, on vous fera lire Le Léviathan. Donc ça reste un ouvrage très important en philosophie politique. Donc pour le premier, les humains sont par nature belliqueux et égoïstes. Au contraire, pour Jean-Jacques Rousseau ou Hume, c'est exactement l'inverse. Ils pensent que les humains sont naturellement paisibles et bienveillants. Ces discours philosophiques sont intéressants, bien entendu, surtout parce qu'ils reflètent les perspectives historiques qui sont propres à chaque époque. Mais en réalité, ils n'apportent pas grand-chose ou très peu d'informations utiles sur les origines et les mécanismes de la morale. Aucune de ces conceptions philosophiques, dont certaines sont intéressantes, bien entendu, n'est en effet fondée sur de véritables données empiriques, ce qui limite sérieusement les portées explicatives et prédictives de ces théories. Ce n'est pas des théories, c'est des discours philosophiques. Et nous, on est dans le champ de la science, très différent. Les choses ont bien changé. Et c'est ça le plan de mon exposé, d'ailleurs. Depuis une vingtaine d'années, les progrès des connaissances en biologie de l'évolution, anthropologie, psychologie de l'enfant, économie comportementale et neurosciences permettent de mieux définir et d'étudier le sens moral dans une perspective naturaliste. Vous êtes des psychiatres, donc vous comprenez ce que je dis naturaliste. Je pense que le naturalisme, c'est une position scientifique. Je n'ai pas besoin de la définir. Aujourd'hui, tous les scientifiques... Il y a vraiment un délai important entre... Voilà. Aujourd'hui, tous les scientifiques, même dans les sciences humaines d'ailleurs, acceptent l'idée selon laquelle rien en biologie n'a de sens sinon à la lumière de l'évolution. Et la théorie de l'évolution offre un cadre, ça c'est la fameuse quote d'un biologiste qui était américain et russe d'ailleurs, un russe qui a émigré aux États-Unis. C'est cette fameuse phrase qu'on répète souvent et qui a énormément de sens. La théorie de l'évolution offre un cadre théorique qui permet d'expliquer pourquoi nous avons une disposition morale et pourquoi nous agissons pour le bien-être des autres, parfois même à un coût pour nous-mêmes. Ça, c'est difficile à comprendre dans une perspective. Cela suppose que cette capacité de morale est une adaptation qui a contribué au succès reproductif de nos ancêtres. Ça, c'est des bases de l'évolution. L'idée générale, c'est que les hommes forment des sociétés fondées sur la conjonction d'intérêts égoïstes, ce qui est tout à fait compatible avec le fait que les comportements prosociaux sont des produits de l'évolution, et des produits de la sélection naturelle et contribuent au succès reproductif de notre espèce. La raison pour laquelle les comportements sociaux... Je suis désolé. Voilà. Il y a quelque chose de particulier à l'espèce humaine, c'est que nous sommes une espèce particulière. Nous sommes une espèce ultra-sociale. Et quand on dit ultra-sociale, c'est l'idée que nous avons été programmés par la sélection naturelle pour coopérer avec autrui. Et quand je dis coopérer, ce n'est pas coopérer avec les membres de son groupe, c'est coopérer avec des individus qui ne sont pas reliés génétiquement. Et ça, c'est unique dans les espèces animales. Il n'y a aucune autre espèce animale
qui coopèrent à l'échelle de la coopération humaine, où nous coopérons avec des gens qui sont différents de nous-mêmes. Et la raison pour laquelle nous sommes ultra-sociales, c'est que nous sommes interdépendants tout au long de notre vie. Nous sommes interdépendants, nous obtenons la majorité de nos ressources par la coopération, comme chasser, construire des habitations, se protéger des prédateurs, élever nos enfants, s'assister mutuellement pendant les périodes difficiles. Toutes les sociétés humaines, depuis très longtemps, sont basées sur cette coopération. Et cette hypersocialité, elle serait apparue, d'après les travaux en anthropologie et en biologie de l'évolution, il y a environ 160 000 ans, chez les premiers Homo sapiens, et elle s'est propagée paradoxalement parce que les groupes étaient en compétition. Donc il y a toujours cette idée de compétition, coopération qui fait partie de la nature humaine. La coopération a pu être génétiquement programmée dans notre espèce, ça c'est peut-être contre-intuitif, parce que les groupes humains, à l'époque on vivait tous dans la savane africaine, étaient en compétition. La compétition favorise la coopération au sein des groupes, c'est très important. Bien que notre disposition morale interagisse avec le contexte particulier de chaque culture, il existe des universaux. Et les travaux en anthropologie supportent cette perspective évolutionniste en indiquant, par exemple, ce travail de Scott Curry en Angleterre, l'existence de 7 règles morales que suivent les gens partout sur le globe. Aider sa famille, aider sa communauté, être courageux, rendre les faveurs, ce qu'on appelle la réciprocité dans les échanges, se référer aux instances supérieures, répartir les ressources de manière équitable et respecter la propriété des autres sont 7 principes moraux que l'on retrouve partout. Et quel est peut-être donc justement l'avantage, ça c'est le paradoxe qu'on peut avoir, quel peut être l'avantage pour un individu d'avoir un comportement moral à l'égard des autres, ça, c'est un peu paradoxal, n'est-ce pas ? En fait, il n'y a pas vraiment de paradoxe parce que le sens moral procure des bénéfices évidents à la vie sociale collaborative de l'espèce humaine. Le sens moral régule les échanges de manière équitable, facilite la coexistence et la coopération, minimise les agressions, permet de gérer les situations où l'intérêt individuel est en conflit avec l'intérêt collectif. On peut dire que nous sommes motivés par des raisons morales parce que c'est avantageux sur le plan individuel. Donc il n'y a pas incompatibilité entre les deux. Et dans le cadre de la théorie d'évolution, pour bien comprendre ces deux aspects de la morale, il est nécessaire de distinguer les explications au niveau ultime et les explications au niveau proximal. Au niveau ultime, le sens moral correspond à une fonction. Sa fonction, c'est d'améliorer l'échange de survie et de reproduction des individus à travers le renforcement de la cohésion sociale dans les groupes et la coopération. Donc ça, c'est l'explication qu'on appelle ultime, dont on n'est pas conscient. Et au niveau proximal, ce sens moral est sous-tendu par des mécanismes intuitifs, on va en parler, non conscients, qui sont relayés et renforcés par des capacités cognitives qui exigent un cerveau performant. Donc quand on parle de morale, en général, je ne connais pas aucune personne qui me contredirait, je pense, on parle uniquement de l'espèce humaine. Parce qu'il faut ce cerveau performant et des capacités cognitives qui sont propres à l'homme. Bien entendu, nous ne sommes pas conscients des causes ultimes de nos adaptations, quelles qu'elles soient. Le goût du sucre, le goût de la nourriture grasse, c'est une adaptation, on n'en est pas conscient de pourquoi elle existe. Et cette distinction entre niveau ultime et proximal est importante parce qu'elle permet de dépasser les problèmes des théories du choix rationnel dans le cadre de la morale. Il n'y a pas de circuit, ça peut vous étonner, mais il n'y a pas de module psychologique unique, ni un circuit cérébral spécifique qui sous-tend la morale. La morale peut être au contraire vue comme émanant d'une mosaïque. Ça, c'est drôle pour ceux qui ont une culture un petit peu biblique, en particulier ceux qui ont lu la Bible juive, parce que il y a une partie qu'on appelle la loi mosaïque, et moi j'aimerais bien écrire un jour un article qui part de cette loi mosaïque à cette idée de morale comme une mosaïque aujourd'hui. Je trouve ça assez intéressant comme métaphore. Donc la morale, on la voit plutôt aujourd'hui, pas tout le monde, mais la plupart d'entre nous, comme une mosaïque d'adaptation qui facilite donc la coopération. Et c'est,
Ces adaptations, elles sont multiples. Je vous en cite quelques-unes. Je ne dis pas que cette image, ou pardon, mosaïque est représentative de la morale. En tout cas, c'est ce qu'on étudie. Les gens qui s'intéressent à la morale étudient ces aspects-là. Et ensemble, ça fait la morale. La métaphore que j'aimerais vous donner, c'est par exemple la vision, la perception visuelle. Vous n'avez pas une aire de la vision dans votre cerveau. Il y a de multiples aires cérébrales, je crois qu'il y en a 46 dans le cortex cérébral, qui sont impliquées dans la perception visuelle. Et parce qu'elles fonctionnent ensemble, vous n'en avez pas conscience, vous avez cette perception visuelle qui vous donne la profondeur, les shapes, je ne sais pas comment dire en français, la couleur, etc. Mais ça ne vient pas d'une seule région, ça vient de multiples processus qui sont distribués dans le cerveau, qui ensemble, quand ils marchent, nous donnent la perception visuelle. Donc c'est la métaphore qu'on a maintenant, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, dans le domaine de la morale. La morale est composée de différents processus, et ensemble, ça fait la morale. Donc vous les voyez, le sens de la justice, je vais vous en parler, l'intentionnalité partagée, la fidélité envers son groupe, le souci de l'autre, que vous appelez peut-être l'empathie, moi j'appelle ça empathic concern, la réputation, c'est très important, les émotions sociales telles que la culpabilité et la honte. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de région unique, mais toutes ces régions qui sont impliquées, que vous voyez ici, je ne vais pas vous dénommer comme le striatum, ou peu importe, sont des régions qui sont impliquées dans le sens moral, ne sont pas uniques à la morale, puisqu'elles sont aussi impliquées dans d'autres processus mentaux, tels que les processus de valuation subjective, de science émotionnelle, de théorie de l'esprit, etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce que vous voyez en bleu, je vais vous donner des exemples de travaux chez l'enfant, l'enfant et un petit peu chez l'homme, qui montrent la vitesse à laquelle ces modules, en gros, se développent chez le petit. Alors, je viens de le dire, maintenant, on va passer à l'enfant. Voyons maintenant comment le sens moral émerge chez le petit de l'homme. Voilà. Alors, il y a 30 ans, rappelez-vous, ou peut-être un peu plus, la plupart des psychologues, des psychiatres et des philosophes pensaient que les tout-petits étaient irrationnels, égocentriques et amoraux. La pensée dominante à l'époque était que l'enfant naît comme une table rase, c'est la métaphore de la tabula rasa, c'est-à-dire que l'esprit humain n'a pas de structure intrinsèque et que la société peut y graver à volonté. C'est ça l'idée. On naît et on peut faire ce qu'on veut d'un enfant. Depuis cette époque, les études avec les nouveau-nés ont explosé en qualité et en quantité à l'aide de paradigmes ingénieux qui se focalisent davantage sur ce que le bébé fait plutôt que ce qu'il dit. Évidemment, s'il faut attendre que le bébé parle, on va attendre plusieurs années. Et là, on peut interroger le bébé, on ne s'intéresse pas du tout à ce qu'il dit, ça n'a pas d'importance dans les premiers mois de la vie, puisqu'il ne parle pas, on va s'intéresser à ce qu'il fait. Et dans l'ensemble, ces études nous montrent que le bébé est un produit de l'évolution qui vient au monde équipé de mécanismes lui permettant de capter, catégoriser et traiter les informations en provenance de l'environnement. Ces connaissances non seulement changent nos idées sur le bébé, mais elles nous donnent une nouvelle perspective sur la nature humaine elle-même. Voici une illustration de ces travaux, principalement, je cite des universités, pas plus que des gens, parce qu'il y a tellement de gens à citer, mais j'espère que les vidéos vont marcher, parce que je n'ai pas accès aux vidéos. Est-ce qu'on peut mettre en route les deux vidéos, s'il vous plaît ? Merci. Donc, il n'y a pas de son. Donc, voici des travaux qui sont réalisés surtout à Yale, à l'Université de l'Illinois, c'est à Urbana-Champaign, pas du tout la même que la mienne d'ailleurs, l'Université de Washington, à Seattle, au Max Planck Institute en Allemagne, en Colombie-Britannique, à Vancouver, et où les psychologues montrent à des bébés âgés de 8 à 10 mois, des vidéos qui présentent des interactions sociales de marionnettes. C'est un exemple, des exemples de comment on interroge les bébés. Donc ils regardent une marionnette qui aide une autre ou lui donne un objet, ou au contraire, une autre situation, c'est l'inverse, c'est une marionnette qui cherche à obtenir quelque chose qui est dans la petite boîte, elle essaye d'ouvrir le petit canard, et vous allez voir que, à l'inverse de cette situation, il va l'empêcher. On a une situation, on va dire, pro-sociale, une situation antisociale. C'est juste un exemple. Il y a plein de variantes. La question est alors, comment les enfants réagissent-ils à ces marionnettes ou réagissent-ils différemment ? On peut interroger leur regard, leur attention
et leur préhension. Quand ils sont capables de prendre un objet, on peut leur proposer les deux marionnettes et voir laquelle ils choisissent. Ce sont des exemples. Les études, il y a eu beaucoup d'études là-dessus qui sont faites, et ce qu'elles montrent, ce que je vous dis ici, c'est que les bébés distinguent les interactions positives des interactions négatives. Ils préfèrent les marionnettes prosociales et celles qui sont justes dans leur distribution, parce que parfois ces marionnettes font des distributions de ressources, de bonbons, et les bébés préfèrent celles qui sont justes à celles qui sont moins justes. Ils s'attendent à ce que les marionnettes prosociales soient récompensées et celles qui sont antisociales soient punies. Elles sont très surprises si vous faites l'inverse. Ces préférences sociales précoces sont intéressantes parce que, sur le plan évolutif, elles peuvent servir à identifier des personnes auprès desquelles le nourrisson peut obtenir des avantages tels que la protection, la filiation et la coopération. Donc ça, c'est l'idée. C'est si les bébés, naturellement, ils n'ont pas appris ça à l'école, ça, c'est spontané, ils ont cette capacité de traiter l'information sociale entre positif, négatif, juste, injuste, c'est parce que c'est utile pour leur développement et leur survie. Vous m'accorderez que compte tenu des compétences verbales limitées des nourrissons, ces évaluations sur les processus reposent sur des processus non conscients, sélectionnés au cours de l'évolution pour faciliter la vie sociale, c'est ce que je vous ai dit autrement. Dans cette étude, je vais vous parler maintenant d'une étude faite dans mon laboratoire, nous avons examiné les précurseurs du sens moral chez des enfants âgés entre 12 et 22 mois, en combinant l'électroencéphalographie, parce que moi je m'intéresse aux processus cérébraux, je suis un biologiste de formation, et donc je vais utiliser avec des bébés, c'est plus facile, l'électroencéphalographie, qui, vous le savez, permet de mesurer l'activité électrique du cerveau, le suivi oculaire, on a un eye tracker pour la capture attentionnelle du bébé, on a le comportement des enfants qu'on va pouvoir tester après, et on prend aussi des variables socio-environnementales. Nous avons présenté au bébé des vidéos, ce n'est pas une vidéo que je vous montre, mais une vue statique, mais en fait c'est une vidéo, voilà, un des exemples, il y en a plein, il y en a au moins 68 différents, ce sont des vidéos qui décrivent des petites histoires dans lesquelles il y a deux personnages qui interagissent de manière soit antisociale, soit prosociale, un petit peu comme ce que font mes collègues que je vous ai présentés avant. Alors c'est une tâche que j'ai utilisée avec des stimulus similaires. Vous voyez ici, ça c'est pour des adultes. Donc c'est quelque chose que nous maîtrisons vraiment bien, parce que je l'ai utilisé avec des stimuli donc similaires, pas pour les enfants, avec des enfants plus âgés, des adolescents, des adultes, y compris des psychopathes criminels dans les prisons, dans plusieurs études que vous voyez ici listées, en IRM fonctionnel, en EEG haute densité, c'est-à-dire on a beaucoup d'électrodes, y compris avec la localisation des sources. L'EEG peut permettre de définir avec une grande précision temporelle les réponses évoquées issues de populations neuronales données. Suivant leur latence d'apparition, il est possible de dégager des potentiels renvoyant à des processus de traitement sensoriel, attentionnel, ou des traitements qui traduisent des processus plus cognitifs du stimulus. Alors, je vais vous montrer, j'ai essayé de garder l'accès au micro, sinon vous arrêtez moi. Regardez, quand on utilise ces petites vidéos, là, elle s'est arrêtée, ça ne fait rien. Vous avez vu, c'est un mendiant, un faux mendiant, bien sûr, mais c'est moi qui mendiais à une époque. Et il y a quelqu'un qui me donne un coup de pied dans mon mug, où il y a la situation exactement inverse, où au contraire, cette personne met un billet de 1$ dans mon mug. Et on peut suivre le timing, ce que je veux montrer ici sur les... J'ai pas de pointeur, mais ça fait rien, vous allez voir. On va suivre le tracé EEG. C'est des études que j'ai faites avec l'IRM fonctionnel et l'EEG, et on a fait des localisations de sources, donc on sait très bien où ça se trouve. Vous allez voir, c'est assez précis. 150 millisecondes après l'apparition de stimulus, vous voyez, on sait où ça se passe, cortex visuel, cortex temporal latéral. Autour de 200 millisecondes, l'activation se déplace et part dans l'amygdale, une réponse émotionnelle. Et un petit peu plus tardive, 300 millisecondes, là, on a le cortex ventromédial qui va coder la valeur subjective de ce qui s'est passé. Vous voyez, on peut suivre vraiment temporairement ce qui se passe. Et donc, c'est intéressant parce que les bébés, je ne vais pas faire de high density,
je ne vais pas faire de lien fonctionnel, c'est trop difficile avec eux, mais puisque j'ai ces données-là, je peux extrapoler au niveau des localisations. Alors, voyez, la réponse, ça c'est chez les bébés. Vous voyez, là, il y a une situation prosociale ou antisociale. Et ce que je vous montre, c'est que la réponse des potentiels évoqués cartographiques à la perception d'interaction sociale indique une distinction très très rapide chez ces petits bébés entre les comportements prosociaux et antisociaux qui est présente autour de 200 millisecondes. 200 millisecondes après le début de la vidéo, les bébés, leur cerveau, c'est-à-dire c'est eux, font cette distinction pro ou antisociale. C'est très très rapide, c'est important pour suivre, n'est-ce pas ? De manière remarquable, ce que vous voyez plus tard, vers 400 millisecondes, donc c'est quelque chose de plus élaboré, de plus cognitif, qui est moins sensoriel, qui est plus, peut-être même conscient, si on peut dire ça, on a des réponses qui sont aussi, qui distinguent prosocial et antisocial, et dans cette étude, on avait trouvé quelque chose de vraiment particulier, c'est que les enfants de parents qui ont des dispositions élevées en matière de justice, puisqu'on mesure chez ses parents leur sensibilité à la justice, il y a des différences individuelles comme on est tous, c'est normal, il y a des gens qui sont très très sensibles aux injustices, d'autres qui le sont moins. Et ce que je vous montre ici en bleu, si j'avais un pointeur, j'aimerais vous aller avec vous, c'est que plus les parents, les mères, sont sensibles elles-mêmes aux injustices, plus leurs petits ont une distinction importante dans leur cartographie EEG entre comportements prosociaux et antisociaux des autres. Joli. Génétique, appris, les deux, sans doute génétique, vu l'âge. Passons à une autre adaptation. Pour l'instant, on a vu quoi ? Une sorte de sensibilité à ce qui est prosocial, antisocial. Le sens de la justice, ça aussi c'est très important pour la morale. Les bébés développent très rapidement un sens de la justice à 14 mois. De nombreuses études montrent qu'ils manifestent de la surprise si une personne obtient plus de ressources qu'une autre. Les bébés préfèrent jouer avec une personne qui a partagé équitablement des ressources. Vers 4-5 ans, quelque chose qui est différent, qui apparaît, qui est très important pour les sociétés humaines, vers 4-5 ans, les enfants, à travers toutes les cultures du monde, intègrent la notion de justice distributive, où les ressources doivent être distribuées selon le mérite, le besoin et la richesse. Donc on passe de l'égalité à l'équité. Et toutes les sociétés humaines, y compris les communistes d'ailleurs, c'est pour ça que les communistes, ça ne peut pas marcher, toutes les sociétés humaines, j'insiste, on a vraiment des données empiriques, préfèrent l'équité à l'égalité. Vous pouvez aller à Cuba, où les gens sont payés de la même façon, ils n'en veulent plus de ça. Vous êtes médecin à Cuba ou chauffeur de taxi, vous gagnez la même somme d'argent à la fin du mois. C'est un système qui ne peut pas durer, parce que je pense qu'il est contre la nature humaine. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que voici une de mes études dans ce domaine. C'est une étude que j'ai réalisée avec le soutien de la Banque mondiale, je n'ai pas fini d'ailleurs parce que j'ai beaucoup de travaux là-dessus, comme ça. Dans notre étude, nous avons demandé à plus de 2600 enfants âgés entre 14 et 11 ans, dans 13 pays que vous voyez ici, mais maintenant on a rajouté d'autres pays, on fait ces données. En plus de ces pays, maintenant j'ai des données en Australie, en Israël, en Namibie, et encore Haïti et d'autres. Donc ces enfants, on leur a demandé de faire des distributions de ressources en fonction du mérite, de la richesse, et du besoin des récipients, d'accord ? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Parce qu'il y a longtemps que je ne parle plus vraiment français. La justice distributive, c'est un petit peu comme votre gouvernement. Vous payez des taxes, tout le monde paye des taxes. Personne ne veut en payer, mais on en paye quand même, d'accord ? On paye tous des taxes. Et c'est votre gouvernement qui redistribue cet argent. C'est ce qu'il fait. Le gouvernement a une tâche distributive. Ce n'est pas les ressources du gouvernement, c'est vous qui avez donné de l'argent. Et le gouvernement, c'est ça qui m'intéresse, si les petits-enfants deviennent des gouvernants, comment ils distribuent ces ressources ? Ils redistribuent davantage à quelqu'un qui en a besoin que quelqu'un qui en a déjà. Quelqu'un qui a faim, on lui donne plus à manger que quelqu'un qui a déjà mangé, etc. Quelqu'un qui a bien travaillé à l'école, vous avez tous fait médecine, il est normal que vous gagnez un peu plus d'argent que quelqu'un qui a fait moins d'études universitaires. Ça, c'est le principe de l'équité. Les enfants le comprennent très vite. Et nous, on a fait ça dans tous ces pays. Et en plus, dans ces pays, on a calculé, pour chacun de ces pays, nous avons calculé l'index de Ofsted, peu importe, c'est un anthropologue néerlandais qui nous a donné
à notre discipline cette échelle, et ça nous permet de calculer un index qui reflète la dimension collectiviste ou individualiste de chaque pays. Donc vous ne serez pas étonné, Cuba, où je suis allé faire ces études, est un pays qui est très collectiviste, un pays communiste, très collectiviste, forcé d'ailleurs. Nous, aux États-Unis, on est très individualiste. Et donc, on a un index. D'accord ? On va voir si cet index varie en fonction, si cet aspect collectiviste ou individualiste fait varier l'apparition de la justice distributive chez les enfants. Et pour aller vite, ce que je vous montre, c'est qu'avec l'âge, dans tous les pays, les enfants démontrent un changement de stratégie dans leur distribution qui se déplace entre l'égalité et l'équité dans toutes les cultures. Dans cette étude, on s'est intéressé maintenant à nouveau, justice, mais aux bases cérébrales. Dans cette étude, nous avons examiné chez les enfants de 4 ans leur réponse électroencéphalographique lorsqu'ils regardent des distributions. Rappelez, pour l'instant, je vous parle, c'est très important pour la suite, tous ces mécanismes qu'on détecte chez l'enfant, le bébé, c'est lorsque les bébés perçoivent des événements sociaux qui arrivent. Je n'ai jamais dit qu'eux étaient justes. Ils s'attendent à ce que vous soyez juste. Ils s'attendent à ce que vous soyez empathique. Ils s'attendent à ce que vous soyez pro-social. Je n'ai jamais dit qu'eux l'étaient. On en arrive tout à l'heure. Il y a une asymétrie entre les deux, très intéressante. Donc, dans cette étude, nous avons examiné chez les enfants de 4 ans leur réponse EEG, comme cette petite fille, dans mon laboratoire, lorsqu'ils regardent des distributions égales ou inégales. On utilise des bonbons, des quarters, ou des chocolats, ou des stickers, des choses qui soient intéressantes pour les enfants. Donc on varie tout ça. Et puis après, donc ça ils perçoivent, et après, c'est les enfants qui sont plus âgés, donc on va pouvoir leur demander de eux faire, on leur donne des ressources, comme par exemple des bonbons, on leur demande de faire des distributions de justice, selon le mérite, la richesse et le besoin. Ouais, ça c'est une technique qu'on prend de l'économie comportementale. Tous les enfants présentent donc à nouveau des déviations électrophysiologiques nettement importantes en fonction des distributions inégales. Donc la perception de l'inégalité est très rapide, vers 275 millisecondes. Il y a une réponse dans le cerveau qu'on peut détecter qui différencie des distributions qui sont égales ou même peu égal, donc c'est très très rapide. Et puis plus tard, quelque chose qui apparaît, qui est plus cognitif, vers 500 millisecondes, on a une autre réponse qui aussi différencie les distributions égales ou inégales, mais cette différence, elle va prédire les décisions de justice distributive de ses propres enfants. Encore une fois, ceux qui sont plus sensibles aux écarts d'égalité ou d'inégalité dans les distributions vont eux-mêmes davantage avoir des décisions propres au niveau justice distributive. Je continue dans ma petite mosaïque, rappelez-vous. La prosocialité peut être stratégique, ça c'est peut-être moins connu. Dans cette étude, les enfants de 5 ans ont la possibilité de donner un ou quatre autocollants sans à un autre sans coût pour eux-mêmes. C'est très important. Ce n'est pas de l'altruisme. Encore une fois, il y a souvent une confusion, peut-être pas chez les psychiatres. Les gens confondent empathie, altruisme et morale. C'est trois choses différentes qui ont des liens, mais on parle de choses différentes. Ici, il n'y a aucun altruisme. Ils peuvent donner sans coût pour eux-mêmes. C'est de la distribution. On est bien d'accord, hein ? Comme tout à l'heure, je n'ai pas du tout étudié l'altruisme dans mes études. Aucune étude que j'ai présentée ne parle d'altruisme. On parle de distribution. Donc, ils ont cette possibilité et l'étude montre que les enfants sont généreux seulement si le bénéficiaire est conscient des options de don. Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas l'être, parce qu'on a mis une paroi opaque, donc le bénéficiaire ne sait pas ce que l'enfant a mis ou combien il avait de stickers au départ, les enfants ne sont pas généreux du tout. Et ce résultat, il n'est pas très étonnant pour nous, parce qu'on s'intéresse aux théories d'évolution, il est tout à fait cohérent, nous sommes moraux dans notre propre intérêt pour avoir une bonne réputation et éviter les sanctions. Et nous savons, pour des études faites chez l'homme, que la réputation, c'est une récompense sociale.
C'est une étude qui a été réalisée au Japon avec des adultes. Donc, ce n'est pas des enfants, mais ça marchait pareil chez les enfants. Chez les adultes, dans cette étude, les sujets avaient le choix de donner ou non, s'ils voulaient, de l'argent à des ONG. Donc, ils voyaient défiler des noms d'ONG. UNICEF, des choses comme ça, des choses qui parlent au japonais, bien entendu. Et au cours de deux conditions expérimentales, il y a une condition expérimentale pendant laquelle les sujets, quand ils prennent la décision ou non de donner de l'argent à une ONG, ils ont de l'argent, on leur donne de l'argent au départ dans l'étude, ils sont solitaires. Personne ne sait ce qu'ils font. Et il y a une autre condition où ils se croient observés par d'autres personnes. Et vous savez bien, c'est trivial ce que je veux dire, on ne se comporte pas de la même façon quand on est seul ou quand on est observé par autrui. Et ce que vous voyez ici, c'est être observé par autrui dans cette étude, augmente les dons et l'activité neuronale du striatum, un noyau impliqué dans le plaisir et le renforcement comportemental juste avant la prise de décision. En fait, l'activité du striatum motive et va guider la prise de décision. Plus le striatum ventral est activé, quand on est observé par autrui, on peut avoir ça comme un paramètre, plus la personne va donner de l'argent à une ONG. La prosocialité, j'ai bientôt fini sur mosaïques. La prosocialité, elle est sélective également. À partir de la fin de la deuxième année, chez tous les enfants, ils favorisent les membres de leur groupe. Alors le groupe, c'est très variable. Le groupe, ça peut être basé sur le sexe ou le gendre, si vous préférez. Ils le font très vite. Les enfants, vers 2 ans, font des groupes. Ça peut être les équipes de jeu, la race, vous dites pas race, groupe ethnique, d'accord. Mais ça peut être aussi la couleur du t-shirt, c'est aussi simple que ça. On peut prendre des enfants ou des adultes, leur donner des t-shirts bleus ou rouges, on crée des groupes complètement artificiels, et ça marche. Et ça marche tout de suite. On favorise son groupe. Ça fait partie de la nature humaine aussi. Surtout lorsque les ressources sont limitées. Quand les ressources sont limitées, les enfants, comme nous les adultes, nous favorisons notre groupe. Et cette sélectivité un avantage évolutif, puisque, je vous l'ai dit, si vous êtes prosocial envers les membres de votre groupe, vous en bénéficierez davantage en retour, et la loyauté envers son groupe est un principe moral universel. Aider son propre groupe, quel que soit le groupe, ça peut être, encore une fois, c'est votre école, votre synagogue, ça peut être votre pays, votre groupe de scouts, ça n'a aucune importance. Le groupe est important pour survivre, et nous les humains, nous sommes, comme on dit en anglais, « groupish », c'est très flexible, on peut faire des tas de groupes différents, ça peut être un drapeau, une valeur morale, une valeur religieuse qui peut regrouper les gens, mais cette notion de groupe est très importante et les enfants l'acquièrent très rapidement. Et la dernière partie maintenant, j'en arrive à la dernière partie de mon exposé pour vous dire que malgré toutes ces capacités précoces que je vous ai présentées très rapidement, il existe une asymétrie, ça c'est la partie peut-être la plus intéressante, il existe une asymétrie entre les comportements moraux des tout-petits, il existe une asymétrie entre ce que les petits sont capables de capter, catégoriser, et ce qu'ils font eux-mêmes. Il y a une asymétrie, ça qui est pas dit, entre évaluation et comportements moraux. Les enfants de 2 ans, beaucoup de travaux montrent, vers 2 ans, les enfants n'évaluent pas négativement les actions nuisibles qu'ils font. Ils utilisent fréquemment des actes de force sans provocation préalable et sans aucune frustration précédente. Il y a plein de travaux qui montrent ça. Ils n'ont pas encore intégré une aversion à nuire dans leur propre comportement. Et on voit ici une illustration d'une petite vidéo faite dans une crèche américaine. J'espère que ça va marcher si on nous la met en route. J'aurais voulu vous montrer le même type de comportement en Namibie ou au Japon. Comme ça, les enfants. Voilà. Et une découverte importante des études
longitudinale, parce qu'il faut des études longitudinales, c'est que les enfants réduisent leur fréquence d'agression physique à partir du moment où ils commencent l'école jusqu'à la fin du secondaire. Ça reflète les effets de la maturation neuronale en interaction dynamique avec les processus de socialisation. Il faut cette socialisation et le développement du cerveau, des voies inhibitrices, pour que l'agression diminue chez les enfants. Mais elle est naturelle, elle fait partie de la nature. Une autre leçon importante de ces études longitudinales est que, contrairement à une croyance largement répandue, les enfants ne doivent pas observer des modèles d'agression physique pour initier eux-mêmes une agression physique. Moi, je ne parle pas ici des enfants qui sont des bullies, ça c'est autre chose, qui ont des désordres de conduite, ça existe, c'est sérieux, des choses qu'on étudie, ou que certains, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Je vous parle des enfants normaux, typiques. Ils n'ont pas besoin de voir des adultes être agressifs pour eux mettre. Ça fait partie de la nature humaine. Alors, on va finir par. On revient sur la théorie d'évolution. Au sein de la théorie de l'évolution, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'histoire de vie, Life History Theory, si vous êtes anglophone, fournit un cadre analytique pour comprendre comment la sélection naturelle a façonné le calendrier et la durée des étapes du développement dans la vie d'un organisme pour une allocation optimale de l'énergie afin de maximiser sa survie et sa reproduction. C'est ça le but, si vous intéressez à la théorie de l'évolution, à Life History Theory, c'est ça le but de cette théorie dans l'évolution. C'est les calendriers des étapes d'apparition des comportements parce qu'ils ont une efficacité au niveau énergétique pour l'individu. Alors, l'idée, c'est que la sélection naturelle a façonné le calendrier des événements clés dans la vie individuelle. Et ça, c'est vrai pour un poulpe, comme on vous dit, une pieuvre, un oiseau ou un humain. C'est pas là dans tout le monde vivant. Et le développement des comportements moraux propres à l'homme était influencé dans leur étape d'apparition, lorsqu'ils sont susceptibles de produire un gain net en ressources pour l'enfant. Et le décalage, il y a un décalage que je vous ai dit, entre les capacités d'évaluation sociale précoce, qui semblent innées, rappelez-vous, les capacités d'évaluation autrui. Autrui, on est capable de l'évaluer. Les bébés le font très très bien, ou les petits, peut-être pas les bébés. Ça se développe très tôt, la capacité d'évaluer. Et semble innée. Et le comportement moral, par contre, est très limité dans l'enfance. Cette asymétrie peut être expliquée par une analyse des avantages que le comportement moral procure aux différentes phases du développement de l'enfant. En résumé, j'ai bientôt fini. J'espère que je n'ai pas trop débordé, qu'on ait le temps de prendre des questions. En résumé, aujourd'hui, je vous ai présenté des arguments théoriques et empiriques qui suggèrent que le sens moral est un produit de la sélection naturelle, une collection d'adaptations biologiques pour faciliter la coexistence avec autrui et la coopération qui caractérise notre espèce. Il n'y a aucune autre espèce qui coopère comme nous le faisons. Les bactéries coopèrent, mais avec les bactéries qui ont les mêmes gènes. Il est impossible de fabriquer un avion sans avoir 80 entreprises réparties dans le monde. C'est fascinant l'échelle de la coopération humaine. L'être humain est ainsi biologiquement préparé au développement moral, comme il l'est pour apprendre une langue, si vous voulez. On est avec la capacité d'apprendre une langue, et selon là où on va se trouver, on va acquérir la langue, parler autour de nous. Les valeurs morales sont la même chose. Je vous ai montré que le bébé possède des intuitions socio-morales sur certains événements et interactions sociales, on le voit très tôt. Le développement du cerveau, de l'intelligence, en interaction avec l'environnement culturel, joue un rôle très important dès le début de la vie. Et il y a une synergie entre représentation innée et apprentissage social, on peut voir. Voilà, j'ai plus qu'à vous rappeler quand même que tout ce que je vous ai raconté, c'est grâce à tous ces étudiants dans mon laboratoire. Il y en a bien plus que ça, mais je voulais quand même citer ceux qui sont là, qui ont participé à toutes les études que je présentais, je ne vais pas les nommer. Et puis, les fonds, sur le plan financier, viennent du NSF, le John Templeton Foundation, le US Israel Science Foundation, et je vous ai dit, la Banque mondiale finance mon travail. Et je remercie surtout mes étudiants, enfin tout le monde, ceux qui me financent, et tous ces étudiants, parce que c'est eux qui font tout le travail, et c'est grâce à eux que la science avance. Je vous remercie.